Eh bien salut tout le monde, c'est Lenilt et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de mon aventure sur Minecraft avec le mode Le Seigneur des Anneaux, donc en 1.7.10. Et aujourd'hui je suis content de vous retrouver donc pour ce fameux épisode 3. Donc j'ai farmé un petit peu. Donc vous voyez j'ai deux moyennes bourses et une grande bourse. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, dans ma moyenne bourse numéro 1, j'ai presque un stack de fer que j'ai farmé. J'ai aussi fait chauffer celui qu'on avait récolté la dernière fois. Nous avons 18 de salpêtre, 25 lingots de cuivre, 10 lingots d'argent, 9 lingots d'or, de quoi nous faire une pomme en or, 18 de soufre, 14 de lapis-lazuli et 7 lingots d'étain. Ensuite, donc, nous avons dans la bourse moyenne numéro 2, nous avons tout ce qui est nourriture. Donc j'essaie de ranger un petit peu avant de commencer cet épisode. Donc j'ai trouvé 5 pommes vertes, ce qui est énorme. Et je crois qu'il nous en faut 5, je crois. Non, il nous en faut 7, super. Bien évidemment, ça ne va pas être ça. Donc on aura de la nourriture à faire chauffer. Là, il n'y a pas tellement de nouveautés. Et dans notre grande bourse, donc, nous avons des barils, les tonneaux. J'ai récupéré le lit, nous avons des ficelles. Nous avons des laisses aussi. Du bois, on en a ici. On a aussi du minerai de cuivre que je n'ai pas eu le temps de faire chauffer. Et 30 pièces d'argent. Donc, au niveau du stuff, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, vous voyez que je me situe dans un endroit différent. Donc, on s'était laissé. Voilà, car on s'était laissé vers là-bas. Et j'ai essayé de marcher vers ici, donc vers les boisés de la comté. Donc, là, on y est presque. On est à l'orée de la forêt. Mais juste avant de commencer cette vidéo, donc j'ai été jeter un coup d'œil en game mode à Bourg de Touques. Je croyais que ça allait être un petit village, un petit hameau, mais pas du tout. C'était juste un petit endroit. La route se finissait ici, il y avait vraiment rien de spécial. Donc aujourd'hui, on va découvrir les différents petits endroits spéciaux de la comté, donc à savoir les boisés de la comté, la vieille forêt, les boisés de la comté qui sont ici, les landes de la comté. Et aussi un petit endroit, voilà, les marais de la Comté. Et aussi, on ira voir la petite rivière, enfin la petite, la grande. Attendez, j'avais vu un petit village par là. Stock, je crois que c'était celui-là. Voilà, Fontombe. Alors, je crois pas que c'est Foncombe, je ne sais plus, parce que Foncombe, je crois que c'est la cité où il y a les elfes. On ira quand même voir en game mode, parce que vous voyez ça, cette distance ici, je l'ai fait en beaucoup de temps. Je peux vous l'assurer, mais je l'ai fait à pied, comme un grand. Donc voilà, donc on se retrouve pour aller visiter les boisés de la comté, c'est bien ça? Les boisés de la comté, c'est parfait. Donc on va aller visiter, ça doit être. On doit avoir des arbres différents. Voilà, on va en récolter un. Ça j'en ai déjà, c'est du bois de châtaignier. Ça c'est quoi? Du bois de pin de la comté. D'accord, c'est du pin, je vais te mettre un pin. Ou alors on va manger du pin, ça marche avec tout. Hop, on va couper ça, les arbres sont très longs. Ben, on est dans les landes. On est dans les landes françaises. Bien que ce soit légèrement plus joli dans Minecraft. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est des cochons! Ah non, des sangliers! Oh! Ils sont pas agressifs. Est-ce qu'on peut les attaquer? Ils ont les mêmes bruits des cochons par contre. Oh, salut toi. Ah si, ils attaquent! Ah, les connards! Ils attaquent. Ils attaquent si on les attaque en fait. Et si on attaque un. Ok, les autres, je viens même pas l'aider. Chacun pour sa life. Ok, voilà. Et... Oula! Oula, oula, oula. Je suis allé contre quoi là? Il a dû avoir une herbe, ça doit être ça. Non, je ne sais pas. Je me suis fait attaquer par quelque chose dont je ne connais pas le nom. Ok, donc on a des petits sangliers qui nous donnent. Je crois. Ouais, voilà, des côtelettes de porc cru. Donc c'est un petit peu comme le cochon, sauf qu'ils l'ont modélisé comme le cochon, mais avec des petites défenses. Oh, des châtaignes. Et si on leur lance des châtaignes, ça leur fait quoi? Est-ce que ça les énerve? Ok, là on a des vaches. Bon, on va tester qu'on ait des vaches. Ah oh, si ça... Ils prennent des dégâts les vaches. Alors je ne sais pas de combien, je peux pas voir leur vie. Mais ils prennent quand même un tout petit peu de dégâts, c'est un petit peu comme les boules de neige. Alors toi, des aventures, je ne crois pas. Elles vous mettent en retard pour le djinn et ça on l'avait déjà vu. Toi, ok, on s'en fout. Donc j'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose de formidable. Comme dirait Stromae. Là, on a des petits canassons, des petits poneys. Petit poney. J'aurais limite envie d'en tester un. Enfin, de lui monter dessus violemment. Donc, je vous propose de faire ça. On va essayer d'en adopter un, surtout que j'ai des laisses. Ah, mais le problème, c'est que je n'ai pas de sel. Des sels, des sels, des sels. Bah, attendez. Déjà, on va essayer d'en adopter un. On va lui prendre une laisse.
Ça va être le toutou à son papa. Alors, toi tu vas être mon copain? Ok, il a tout bouffé, mais il ne veut rien. Ah bah je crois qu'il est à moi. Non? Je t'ai quand même donné pas mal, tu sais? Non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas, petit cheval? T'es sûr que tu veux pas être mon ami? Ah, je crois qu'il a... Voilà, il apprécie. Donc on ne peut pas le diriger sans selle et on peut pas leur mettre d'armure comme s'ils sont des poneys. Ok, donc est-ce qu'il va me suivre? Non, je ne crois pas. Si on lui met la laisse, il va venir, vous pensez? Oh, il vient. Mais c'est super. Mais comme ça, il va nous suivre. Un petit poney. Jusqu'à ce qu'on trouve une petite selle. Et donc les poneys, on peut pas leur mettre d'armure parce qu'ils sont ils sont trop petits les pauvres. Ah, j'ai cru que ça, la laisse avait lâché, mais de toute façon, il va bien me suivre. Ah, mon petit coco. Oh, c'est bien. On voit le mec, il devient complètement fou dès qu'il est en présence de quelqu'un. Ok, donc parfait, il va nous suivre. Bon, bah, je crois que pour les boisés de la comté, c'en est déjà fini. Ça me semble déjà pas mal. Est-ce que j'ai récupéré. J'aimerais bien juste récupérer des pousses de pin, histoire qu'on puisse les faire repousser plus tard. Si ça nous intéresse, on va attendre que ça spawn un petit peu. Ça c'est quoi? Du bois de châtaignier. Ok. Alors, donc après, où c'est qu'on va aller? Donc je pense qu'on va aller... J'hésite à la vieille forêt. La vieille forêt, je crois pas... C'est pas en territoire hobbit, non? Mais on va quand même y aller pour la fin de la vidéo. Je pense qu'on va aller au marais. Donc on va se TP, bien évidemment. Je suis désolé, on va pas tout faire... Où c'est qu'il est là, que j'ai coupé? Ok, il est là. On va pas tout faire à pied. Excusez-moi, mais j'ai pas envie de passer ma vie non plus sur ce mode. Je sais que j'y passerai pas mal de temps, mais bon, quand même. De là à jouer tout le temps. Et à tout le temps marcher, marcher comme un forcené. Bon, y a rien qui tombe. Je propose quand même de se barrer. Parce que fuck. Fuck la police. Est-ce que j'ai mis mon timer? Je vais juste regarder. Histoire que je ne fasse pas de conneries. Oui, mon timer a été mis. Ok. Alors, on va aller dans le marais de la comté. On va aller à l'orée ici. Hop. Donc là, ça va être le petit TP. Oula, j'ai failli faire tomber quelque chose. Le TP, c'est normal. C'est le temps que ça charge la map. On va avoir quelques lags. Mais ça devrait pas être trop méchant non plus. Vous voyez? Oh, des petits lags. Oh, on tombe juste à côté d'un moulin. C'est la première fois que je vois ce genre de structure. Et on découvre de nouvelles structures. C'est parfait. Donc là-bas. Oh, attendez, on va attendre que ça charge. On va pas contrarier le PC. Merde, j'ai pris une screenshot. On va pas contrarier le PC à 30 FPS. Doucement le PC, doucement. Donc là, on a des petites structures. Donc, vous voyez, ça c'est la route. La route, en fait, c'est les petits pointillés. Si vous voyez. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va découvrir ce petit moulin. Ah, mais il y en a plein par ici. Vous voyez, en faisant un petit TP, on aura découvert un nouvel. Une nouvelle sorte pas d'habitation, mais bon, voilà. Vous m'avez compris, bref, me faites pas chier. Ok, il y a deux coffres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des steaks, un saule, j'en ai pas besoin. De la tarte à la citrouille, on prend. Des livres, on peut prendre. Des plumes aussi. Ah, un tonneau. Du cidre. Oui, en parlant de tonneau, ça me fait penser. J'ai une quête, voilà, qui me demandait de faire. Enfin, de collecter 4. 4 hydromels, sauf que ces 4 hydromels, ça peut être un petit peu difficile de les collecter et de les crafter, parce qu'on ne peut pas en fait. J'ai vu qu'on pouvait que les avoir en Rohan. Donc Rohan, c'est une autre région en Terre du Milieu, je crois que c'est pas très loin. Je crois que c'est. Pays de Dun. Attendez, je suis sûr que je peux le trouver. Eriador, Eriador. Je sais que c'est pas très loin d'ici. Terre solitaire, là dans rien. On voit le mec qui s'y connaît bien. Ah, Rohan, je l'ai vu. Rohan, voilà, c'est ici. C'est cette grande région. Donc, à l'occasion, on y passera, on essaiera d'en récolter. Mais voilà, on peut pas en crafter, on peut pas en. Donc, on peut pas en boire, on peut pas en trouver en terre. Enfin, dans la comté. Donc, ça va être un petit peu difficile de remplir cette quête. On reviendra peut-être avec un petit TP. Donc, je sais pas du tout ce que c'est cette structure. Briques fissurées d'armor. Est-ce qu'on peut les miner avec notre pioche? Oui, on peut les miner. Écoutez, super. Est-ce que ça a des vertus spéciales? Ça m'a pas l'air. Non, j'ai beau appuyer sur tous les blocs. Ça ne marche pas. Donc voilà les petits marais. Jolis petits marais de la comté. Donc ça représente. Enfin, c'est pas très beau, comme tous les marais. Ça fait un petit peu abandonné. On va peut-être trouver Gollum par là. Je ne sais pas.
Ce serait bien quand même qu'on puisse rencontrer des personnages dans les villes et tout. Ce serait quand même super bien fait. Donc voilà, c'est juste aussi pour vous montrer un petit peu, histoire que qu'on fasse pas tout le temps la même chose. Après qu'on ait visité un petit peu tous les endroits de la comté, c'est quoi ça? Ok, c'est de la canne à sucre. On ira. Ouh! Des gros lacs, je sais. On va se crafter. Bien évidemment, je n'ai pas ma table de craft. Hop, on va juste se crafter une pelle. Du quaque-mire. Oh, c'est des sables mouvants! Oh non! Je ne veux pas mourir! Pète-le, pète-le, pète-le! Allez, 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 allez! Oh putain, on va crever comme des merdes! Ah merde! Non! Vite, un seau d'eau, un seau d'eau! Y'a que comme ça qu'on peut s'enfuir! Je remonte! Je remonte à la surface! Oh putain, c'est affreux la sensation! Allez, extirpe-toi de là! Est presque. Je le sens. Je le sens, je le sais. On dirait un handicapé, putain. Ah voilà, c'est bon, je me suis extirpé. Alors, on va se crafter une pelle. Je pense que c'est avec ça qu'on va pouvoir le ramasser. La moyenne bourse, non, ce n'est pas celle-là, bien évidemment. Oh putain, j'ai cru que j'avais perdu cette bourse. Non. Hop, on va se prendre 4 fers parce qu'on va se recrafter aussi une pioche parce que je sens que la note va bientôt casser. Hop, voilà. Une pelle. La sainte pelle. Et la petite pelle des familles. Alors, est-ce qu'on peut le ramasser? Ok, on peut le ramasser. On va éviter de marcher dessus. Parce que. Ouais, il y en a même. Oh putain, je suis retombé dedans. Oh my god. Ok, c'est bon. En fait, on a juste à casser pour pouvoir s'en extirper. Ok, donc on va essayer de récolter tout ça. Bon, c'est très con ce que je viens de faire. Normalement, si on le pète, voilà. Ok, on a réussi à sortir. Le quagmire. Est-ce que ça a des. Non, on peut rien faire avec. D'accord, c'est juste des sables mouvants. Mais écoutez, on va quand même les prendre. Parce que ça peut être vraiment très intéressant si on se fait une base en territoire ennemi, histoire qu'ils se mettent dans des sables mouvants et qu'ils meurent comme des merdes. Donc là, normalement, si on pète celui-là. Putain, on va crever. Non, je ne veux pas me noyer. La noyade, la noyade. C'est bon, ça fait du bien. Attends, on va prendre la table de craft. N'oublions pas le virus table de craft. Hop, voilà. Donc ça va être vachement bien si on veut déjà faire des pièges, des tours à mob et tout, pour se faire de l'XP. Donc l'XP, on a déjà 17. Je pense que ça, on n'aura vraiment pas de problème. Surtout, on est en normal, je crois. Oui, normal, difficulté normale. Qu'est-ce que tu as, toi? Ok. Et je pense pas qu'on aura de problème pour ça, surtout si on a des armures. On aura bien des armures badass. Donc on n'aura pas forcément de problème, mais on sait jamais. Hein, si on doit. Si on a besoin de. Merde, putain, je suis retombé dedans. Ah voilà, c'est bon. Oh, c'est vachement chiant. Putain, et j'y retourne en plus. C'est légèrement chiant par contre quand t'es coincé dedans. C'est légèrement beaucoup très chiant. On n'entend pas beaucoup les bruits des oiseaux. Voilà. Je sais pas si vous les entendez avec le son. Le son qui n'est pas bien équilibré. Alors ça, du rondin pourri, d'accord. Ah, c'est pour ça que c'est laissé là, d'accord. Et on peut en faire quand même. Ah non, on peut rien en faire, d'accord. Donc c'est vraiment du bois pourri et ils ont vraiment rien laissé au hasard. C'est vrai que ça aurait été un petit peu con qu'on puisse l'utiliser. Bon écoutez, ah putain, je retourne dans cette merde. Les fameux marais de mes couilles. Allez voilà, sors de là. Je pense qu'on va vite quitter cet endroit de la région parce que c'est légèrement chiant. Là, on a un cerisier. La canne à sucre, on en a 8. Ça servira. Je pense qu'on en a largement assez. Donc vous voyez, la route, ça va être comme ça pendant. Enfin, je sais pas combien de temps. Vous voyez, on a spawné là. Et vous voyez tout ce qu'on a fait depuis le début? C'est vraiment que dalle. La rivière. Ok. Donc maintenant, je vous propose d'aller vers ici. Non, d'abord, on va aller voir ici. Fontombe. Hop. F pour délai avant le prochain voyage rapide. 30 minutes. Mais on s'en fout, nous. Ok, voyage rapide. On dit, ne bougez pas. Donc voilà, les voyages rapides, on n'a pas. Enfin, voilà, c'est sympa. Ça conserve une part de RP. Voilà, voyage rapide vers Fontombe. Faithless is the answer for way when the road dark sense. Si vous comprenez cette phrase, vous êtes très fort. C'est juste que vous parlez à peu près anglais. Donc là, vous voyez, je pense qu'on est à fond de con, mais ça me fait là exactement le même
Le même cinéma que la dernière fois, vous voyez, on est en plein sur le point. Ça a bien mis voyage vers la petite ville, mais ça ne veut pas. Je pense qu'ils auraient mis légèrement plus de temps à faire le mode s'ils avaient dû modéliser chaque ville et chaque petit village. Mais c'est vrai que c'est dommage, ils auraient pu quand même essayer de faire des trucs, rien que des petites habitations au moins à un endroit, voilà, regroupé, histoire que. Voilà, ça donne une sorte de village. Ah, ben là, on a une taverne. C'est peut-être là, on sait jamais. Non, moi, ça m'a l'air surtout une taverne posée là au pif. On va aller voir. Le bois est différent. Je ne sais pas du tout quel bois c'est. On va voir. Le bois C, le boisé. C'était drôle, ma foi. Le Stumbling Hobbit. J'ai cru qu'il allait me fermer la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les tonneaux? De la bière, toujours. Il faudra qu'on s'intéresse à comment faire de la bière, faudra la faire fermenter, je suppose. Adalrida Holbuck, le tavernier Hobbit. Donc, toi, on peut t'acheter tout ça. Le fourneau Hobbit, ça sert à rien, on peut te les voler. Ok, de la bière. On va pas en acheter puisqu'on a là. Qu'est-ce que tu achètes? Ok, des feuilles. Bon, rien de très intéressant. Welcome to the Stumbling Hobbit, Elendil. Ok, donc vous voyez, c'est en dommage. Voilà le petit point négatif. Putain, c'est quand même bien éloigné. Le petit point négatif de ce mode, voilà, j'ai pas l'impression que des structures soient générées, enfin des villes par exemple. Alors peut-être qu'il y aura, par exemple, si on va dans. Comment s'appelle Minas Tirith, peut-être qu'elle sera modélisée. Minas Tirith, c'est la ville blanche, je crois que c'est ça le surnom. Enfin, c'est un truc assez assez imposant. Taper Minas Tirith sur internet, c'est vraiment imposant. Bon, écoutez, là on a fini. On va aller. Par là, on va aller à la rivière, M pour téléporter. Donc voilà, toujours le petit lag. Donc voilà, désolé si l'épisode n'est pas forcément très intéressant. Bon écoutez, c'est comme ça. De toute façon, ce n'est pas vous qui décidez. C'est moi, le patron. Ok, ça ressemble vraiment à la mer. Alors, est-ce qu'on peut traverser? Oui, ça fait vraiment très loin. Je pense qu'on peut le traverser. Ça, bon, le traversant, on peut le faire en bateau. Ça pourra toujours être sympathique. Bon voilà, la rivière. Je vous montre. Tel un guide qui ne sait pas où aller. Alors, on a de la casse. On va encore en prendre. Je regarde un petit peu aux alentours. Et je crois que j'ai vu un bébé. D'accord, hein. Il y a les poulains. Enfin, il y a les poneys et les bébés poneys. Je ne savais pas que ça existait, tout ça. Salut, toi. Je crois pas qu'on peut le monter. Ça vient de la zoophilie et la pédophilie. Et le Nil t'arrête. Bon, voilà, là c'est fait. Boisé de la Comté, d'accord. On va aller à Trou de l'Aiguille. F. Vous pouvez réagir rapidement dans. D'accord, donc on peut plus voyager. Donc on va se TP. Parce que nous, on est des thugs. Avec le soleil qui se couche. Donc il est déjà couché. Et la belle lune. Voilà, nous voilà arrivés. Quel est cet endroit? Donc ce sont les Landes de la Comté. Ah, vous voyez, on change un petit peu de décor. Ça fait bien plus plaine. Il y a des petites. Il y a vraiment des cailloux comme ça. Oh, encore un moulin. On va aller juste voir ce qu'il y a pour les loots. Voilà, il y a des pierres partout. Ça, c'est vraiment super bien fait. C'est ça que je craignais aussi, que c'est que tout soit vraiment pareil. Mais non, ils ont bien fait leur boulot. Alors, on va aller juste voir dans ce petit moulin. Tu veux quoi? Welcome to the shea troll farm. Ok, des châtaignes grillées, des cookies, des œufs. Dans la poche, non. Ouh, allumettes de soufre. Oh, tiens. Ouh, putain. D'accord, les allumettes de soufre servent à allumer. J'étais très con, je me suis dit, mais non, ils ont pas pu penser à ça, ces abrutis. Mais pas du tout. Donc, les allumettes servent à allumer. Allez, tiens, on te brûle ton truc. Est-ce que ça va se propager? C'est quand même bâtard ce que je fais. Brûle, brûle, brûle. J'ai pas l'impression que ça a l'air de se propager. Non, je ne pense pas. Bon, pierre, ça brûlera avec le temps. Ça brûlera avec le temps. C'est quoi ça? De la progière. Donc, vous voyez, maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû redémarrer mon Minecraft avec le mode. Et vous voyez, maintenant, ça nous met en haut. Herbe courte. Parce que c'est bruyère de la Comté. Toi, ça nous met pour les personnages? Non, ça nous met rien. C'est dommage. Donc, voilà. Les Landes de la Comté. C'est tout con, c'est banal. Mais on s'en fout. Alors, ben maintenant, voilà, on a vraiment tout fait dans la comté pour moi.
Ouais, tout ce qui nous reste à exploser. Prenez-en de la graine, les petits. Voilà ce qui nous. On a vraiment tout fait pour moi dans la comté. On a vu les différents bâtiments. On a vu les différentes. Oui, voilà les petits. Les différents départements. Ah! Quoi? Groen, son of Narag, le marchand de nains Monte-Bleu, est arrivé à proximité. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais avoir tout fait. Eh bien non. Le mode me met en garde. Le mode, c'est tout. Il nous espionne. Apparemment, il y a un nain marchand qui serait arrivé pas très loin. Mais où? C'est une bonne question. Et je pense que ça a l'air quand même quelque chose d'assez important. Donc on va essayer de le trouver en se baladant, mais j'ai l'impression, enfin, on va avoir du mal. Ça brûle ici? Oui, ça brûle, mais... Oh, il a stoppé le feu. Putain, il est intelligent. Désolé d'avoir brûlé une partie de ton moulin. Vraiment, je vois pas où c'est qu'on peut le trouver. Est-ce qu'on peut se TP à lui? Il est arrivé à proximité. Normalement, c'est un nain, il devrait être pas de la même. Ah! Goodness, I need some food for my uncle. Ah! 5 poulets rôtis. Ah, ben j'accepte. J'accepte, monsieur. Les poulets rôtis, je peux même te les donner directement, je suppose. Oui, il t'en faut 5. Et pas un de plus. Alors. Voilà, je vais compléter la première quête avec vous, parce que l'autre, avec les tartes au B, je vous ai bien baisé. Alors, voilà, mini-quête complétée. Plus 10 en alignement, donc on est à 30, et il nous a donné combien de pièces? Thank you, my good friend. No, please be off. I have to prepare this food for the guest. Oh my gosh. Je souviens qu'on en avait 30 des pièces, et il nous a donné 15 pièces. Bah écoute, c'est très aimable à toi, surtout qu'on les avait. Ça nous a rien coûté. J'ai toujours cette histoire de nain qui me traîne dans la tête, mais j'ai peur qu'on ne puisse pas le trouver. C'était peut-être Gimli le nain. Comment il s'appelait? Groin, son of Narag, le marchand nain. Putain, chez. De Monte-Bleu. Monte-Bleu, ça m'a l'air d'être une région aussi. Je crois que c'est par là. Montagne Bleue. Il va venir de là. Bon, on va leur parler un petit peu, mais bon, je suis quand même déçu pour ce. Ah, qu'est-ce que tu as, toi? 5 plates, find me 5 plates, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu veux des plats? Ah, c'est dommage! Oh putain, c'est con, j'aurais dû en prendre. Je suppose que j'en ai pas pris, je les ai laissés, j'étais trop gentil avec les autres billes. C'est dommage, on va pas revenir. Bon, quoique, on s'autorise un petit TP. Ouais, ça me gêne, franchement, non, c'est pas grave. On les a pas sur nous, on va pas quand même abuser du TP. On va essayer de rester un petit peu RP. Ah! C'est pas eux? Oui, c'est eux! Oh! C'est lui. C'est lui, c'est lui. Groin, son of Nara, le marchand nain. Parlez, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, je viens des Blue Mountains. Le Strongle, je sais plus ce que ça veut dire. Et Endilt, il n'y a pas d'autres nains. Qui ne sont pas aussi riches que nous. Je vais te vendre anything pour un bon prix, je crois. Excusez-moi. Oh on peut lui acheter plein de trucs. Oh putain. Alors, la lance de la montagne bleue. Oui, ma lance, je l'avais perdue. Je sais pas si vous avez remarqué. Plastron nain de montagne bleue. Oh, ça a l'air badass. Alors attendez, j'aimerais juste parler à ses compagnons. My bird is the envy of all the drivers. Ok, donc eux ils sont arrivés avec lui, c'est ses compagnons. Oh, ils pètent le swag. Tu pètes le swag, Groin, son of Nara. Oui, ça c'est. Ils ont l'habitude dans. Comment on appelle dans le Seigneur des Anneaux de dire. Train, fils de. Dorin, je sais pas trop quoi. Alors, on va prendre nos pièces. Ah, qu'est-ce que tu prends toi? De l'or. Oh, du jambon fumé, je crois que j'en ai. Je crois que j'en ai du jambon fumé. Non, j'ai dû le jeter. Parce que les pièces, il va direct tout nous prendre avec son plastron. Donc on va quand même lui vendre du pain, de l'or. Ok, on va lui vendre du pain et de l'or. Putain, c'est énorme, il mange lui aussi. Du pain, on en a 10. Déjà, comment ça va nous faire de fric? 20 pièces. J'accepte. Succès. Obtenu. Richesse de l'extérieur du pays. Oh, ça, je pense qu'on a commercé avec... Attendez. Faction. Succès. Où c'est qu'il est? Oh putain, il doit être vers la fin. Non, même pas. Non, on a rempli que 3, ça va compter.
Pour compléter, non. Montagne bleue. Ah, pour commercer avec un marchand, non, montagne bleue. Eh bien écoutez, ça y est, on est déjà dans les montagnes bleues, on est chaud. Alors on va prendre nos pièces. Grande bourse. Pièces d'argent, pièces d'argent. Pourquoi il les stocke pas? Ah, c'est. Ouh. Je pense que ça c'est. D'accord, on a deux pièces d'argent, donc c'est des pièces d'argent de 10. En gros, ça nous fait 20 pièces. D'accord, écoutez, super. Alors je pense qu'on va t'acheter direct le plastron. Ah, ça nous les prend automatiquement, vous pensez? Oui, ça nous les a pris automatiquement. Et celle-là, ça nous les a convertis en pièces d'argent. Ok, on a le plastron. Le marteau me semble bien badass. 20 pièces. Tu te niques, nain, ça va nous servir strictement à rien. Nique ta loupie. Oh, on pourra voir la nuit par contre. Bon, c'est pas très intéressant. Une dague ou une lance naine. Je préfère prendre le marteau. Ça me semble plus judicieux. Allez, on prend le marteau. Allez, on va s'équiper. Pouf. Oh, si on n'a pas le swag, regardez si on n'a pas le swag, là on pourra aller fight. You! On pète le swag avec ce plastron. Et ça nous confère, waouh, la puissance des nains. 3 boucliers et demi, ce qui est vraiment considérable. Et notre marteau, est-ce que c'est seulement... on a combien de durabilité? Alors on va voir. Est-ce que c'est seulement un marteau pour essayer de réparer des choses pour avec l'enclume, peut-être que ça s'utilise, ou alors pour taper. Oui, ça s'utilise pour taper. 7 dégâts, c'est même plus puissant que mon épée en fer. Oh là là, oh, qu'est-ce que je suis swag. Regardez là, le Elendilt. Moi, voilà. Et bien écoutez, je suis vraiment super content de ce marchand nain qui s'appelle Groin. Killy. Oh, Killy! C'est dans les Hobbits, Killy. Je sais plus trop quoi, c'est les deux frères. Vraiment, merci à toi. Est-ce que... J'ai quand même bien envie de lui acheter des trucs. Hein. J'ai envie de lui acheter des choses parce que je sais qu'après on le reverra pas de si peu. Dagnen, comment ça se fait? Ouh, dague de poison, bouteille de poison. Ouh. Dagnen, montagne bleue empoisonnée. D'accord. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. On va voir l'or. L'or, à quoi ça peut nous servir? De toute façon, pioche en or, d'accord. Le stuff en or, c'est basique. Ray argenté. Oula, ils sont en train de me parler. All armor weapons you want it, it's yours, my friend. As long as you're enough coins. Ah oui, c'est vrai que les. On va me poser quelques trucs. Les nains sont très. Comment on pourrait dire? Radin. Oui, radin, on pourrait dire ça. On pourrait les qualifier de radin, donc c'est pour ça qu'ils nous disent ça. Tu peux. Il y aura autant de trucs pour toi, mon ami. Si t'as de la money money. Ok, donc là on ne servira vraiment à rien. Give me some coins, and we are very merchant indeed. Ok, donc on va lui vendre l'or. Ok, non mais c'est pas lui, je suis con. Commercer. Alors on va te vendre notre or. Pour combien? 135! Direct, direct. Oh, pièce d'argent de 100. Oh là là, mais le mode est tellement bien. Oh, regardez ça. Oh, la money. Oh, merde, attendez. Oh. Je suis trop riche. Oh, même je le jette. Non, je peux même pas le jeter. D'accord. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Oh là 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 là. Je suis vraiment super content de ce mode. Commercer. Donc là, on peut acheter une dague de montagne bleue. Super. Est-ce qu'on... Bon, allez, on achète la lance. On lui a vraiment tout acheté. C'est pas grave. Écoutez, on ne vit qu'une fois. Alors la dague, est-ce qu'on peut la lancer? Non, on ne peut pas la lancer. Même la dague. Ah non, la dague est aussi puissante que mon épée en fer, donc pour le coup c'est très con ce que je viens de faire, mais on pourra l'empoisonner. Est-ce que mon épée, je ne sais pas si on peut l'empoisonner. UER. Ok, donc l'épée, on peut vraiment pas la changer. Donc il n'y a que les modes. Enfin, que les items du Seigneur des Anneaux qu'on peut modifier, je pense. Oh écoutez, c'est vraiment super sympa. Alors maintenant, je vous propose, pendant le peu de temps qui nous reste, donc la table de craft, je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas. De nous crafter un établi, on va se mettre à l'intérieur de ce moulin. Mais du coup, on aura tout ce dont on aura besoin. Ok, ici dans les coffres. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va se crafter? Donc, avec ce qu'on avait récupéré la dernière fois, donc c'est-à-dire tous ces minerais, donc le fer, le lingot de cuivre, l'argent et le lingot d'étain. Donc, ça, on n'a pas besoin. Excusez-moi, je rangerai tout ça durant. Bah, après cet épisode, attendez, on n'a pas déjà un four? Oh là là, je suis full, ça m'énerve. Hop, on va poser tout ça.
Du charbon ici. Hop, on va faire chauffer tout ça. La nourriture aussi, on va la faire chauffer. La nourriture, elle doit être là. Pas du tout. La nourriture doit être ici, dans la moyenne bourse. Voilà, elle doit être là. On va mettre les pommes. Prendre ça. Hop. Et on va tout faire chauffer ici d'un seul coup. Ça va être super. Je ne sais pas. Apparemment, je sais pas. Ah, mais regardez. Hop. Quand t'es malin, tu fais comme ça. Tu répartis tout. Et normalement, là, ça va tout nous cuire d'un coup. On va voir. Et ça nous permettra d'économiser, bien évidemment, notre charbon. Faudra que j'en récolte après. Alors, la lignée. Boum! Ah, c'est juste énorme. Ok, on a le cuir. Donc, qu'est-ce qu'on va se crafter? Donc, avec le fer. Donc, le fer, le fer, le fer. Qu'est-ce qu'on peut se crafter? Ok, les outils de base, le stuff. Tiens, torche de redstone, d'accord. Elle est mal modélisée, la torche de redstone. L'anvil, enfin l'enclume. Un entonnoir, une lance en fer. Elle est plus faible. Elle fait beaucoup moins de dégâts que ma lance de. Ouh, une arbalète en fer, que ma lance naine. Arbalète en fer, ça, franchement, ça peut être stylé. Je pense qu'on a besoin de carreaux. Les tonneaux, on peut les faire avec du fer aussi. Donc, on a besoin de 3 ficelles, 2 ficelles, 3 bâtons et 4 lingots de fer. On peut totalement nous la crafter. La hache de combat en fer, ça, je pense qu'on va la crafter aussi. Elle m'a l'air super sympa. La hache en fer, et après, c'est les autres trucs, les lustres. Les épées. Oh, des traits d'arbalète. Ah, mais c'est comme ça qu'on les fait, d'accord. Donc, un lingot, un bâton et une plume, comme si on faisait des flèches. Et l'épée de commandement. Oh, c'est stylé. Par contre, elle fait quand un point de dégâts. Elle est stylée, mais elle ne fait aucun dégât. Alors, nous allons nous faire cette petite arbalète. Je sais pas pourquoi je commence à parler comme ça. Hop. Alors, des ficelles, des plumes. Et voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Alors, si je me souviens bien, les trois ficelles, les trois bâtons, les quatre fers et les deux ficelles. Oh là là, l'arbalète. Oh, regardez si c'est pas swag. Ah, ça fait comme un arc, dommage. On verra quand on va bander notre arc. Mais écoutez, ici tout est en train de cuire. Mais écoutez, c'est parfait. Tout est cuit. En 1 minute, tout doit être cuit. Alors, on va se faire des carreaux, je crois que ça s'appelle comme ça, des carreaux. Nos ficelles. Enfin, nos plumes, elles sont là. On va en faire que 7. Hop, voilà. On va voir. On va tester sur un. On va pas tester sur un nain ni sur un hobbit parce que j'ai pas envie de perdre l'alignement, ce serait trop bête. Hop. Oh, regardez! Oh, c'est tellement swag. Par contre, ça prend du temps à charger. Ah, arbalète chargée, d'accord. Ouh, putain! D'accord, donc au début on doit la charger, je suppose. Ok, donc là ça nous fait un petit bruit, donc on peut la garder. D'accord, on peut la garder chargée comme ça si on a un problème. Logiquement. Et là. Boum! Ok, donc apparemment il faut viser, donc on va tester. Elle fait pas mal de dégâts. Hein. Hop, donc là c'est chargé. Boum! Oh, c'est tellement swag. Crossbow. Ok, donc quand on l'a dans la main, si on la charge. Oh là 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 là. Ok, c'est comme ça, ils sont tirés. Boum. Ok. Mais écoutez, vachement content. Vachement content comme j'ai tué la vache de tout à l'heure. Vraiment super content de cette arbalète en fer. Et la lance Nel. Coutou. Oh putain! Elle est grande comme ma bite! Je ne peux pas la récupérer? Ah si, c'est bon. Parce que j'ai payé ça à la peau du cul quand même. Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se crafter? Donc des traits d'arbalète on en a assez pour le moment, surtout qu'on n'a pas tellement de place. Voilà, avec le fer c'est tout ce qu'on peut se crafter pour le moment. Avec le lingot d'argent. L'argent, l'argent, on peut faire un bloc d'argent, un lustre d'argent. Et c'est tout avec les pépites. Un lingot d'argent, un anneau d'argent. Ouh! Est-ce que ça ne nous permettrait pas d'être plus puissant? Est-ce que ce serait pas un anneau de magie? Et on peut faire des pièces d'argent. Et bien écoutez, c'est vraiment super. J'ai recherché sur le wiki à quoi peut nous servir donc un anneau d'argent. Un anneau d'argent, si on fait ça. Oh, ça nous met. Ah, c'est super. Ce mode est vraiment super. Not enough item. Alors, donc voilà. Donc, l'argent, on le garde pour le prochain épisode. Le cuivre, donc on va le mélanger avec l'étain. L'étain, on n'en a que 7. Hop, on va le faire directement. Donc, normalement, on en aura 14. Voilà, 14.
L'étain est quand même beaucoup plus rare que le cuivre, hein, c'est les notes à soi-même. Et avec ce bronze, donc on peut se faire un plastron. Donc le plastron on n'a pas besoin, je pense qu'on va se faire une paire de jambières pour protéger nos couilles. Une hache de combat en bronze, je ne sais pas. Ok, on peut faire aussi l'arbalète en bronze. Je ne pense pas que ça... Que selon le matériau, ça change le nombre de dégâts. Mais je pense que ça change la durabilité. Faudra avoir. Et une table de commandement. Putain, c'est swag, on va s'en faire une. Trois lingots de bronze, trois papiers, trois planches. Super. Casque en bronze, d'accord. Et après. Ouh, un corps de commandement. La pelle, l'épée. L'épée de commandement, d'accord. Écoutez, donc. On va se faire. On aura besoin du bois. Il nous faut. Je crois qu'il y en avait ici, du papier. 1, 2, 3. On pose ça en haut, on pose les planches au milieu et le bronze en bas. Et normalement, la table de commandement. Ouh, Study 133 Candrill, la comptée 1400. Ça, j'avais même pas fait attention quand il y a. Ouais, voilà, c'est le début d'une nouvelle journée, ça nous le met quand même. Ce qui après est logique. Donc si on la pose. Oh là là, si c'est pas swag! Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut pas regarder, d'accord. Et est-ce que ça nous ferait pas. Ce ne serait pas la comptée? Je crois bien que oui, regardez, c'est la comté. Là, c'est où nous sommes. Ici, là. Là, c'était le truc boisé. Là, c'est la rivière. Oui, regardez. Et je pense que ça. Selon l'endroit où on la place. Oui, c'est exactement. C'est la comté. Selon l'endroit où on la place, ça nous fait une carte. Mais écoutez, c'est vraiment super. On n'aura même plus besoin d'ouvrir la carte. Est-ce qu'on peut la récupérer par contre? Avec une hache, non, une pioche. Oui, on peut la récupérer, ok. J'ai juste eu peur pour ça. On va la placer ici. Oh là là, le nombre de crafts, c'est impressionnant. Donc, il nous reste 11 lingots de bronze. Donc, avec ces 11 lingots de bronze, on va se faire un petit pantalon, un petit fut. Et on va se faire peut-être une paire de bottines, voilà. Comme ça, on ne marchera pas pieds nus, pas comme des hobbits. Je veux juste voir de dehors vu ce que ça fait. Si on le met. Hop. Ah, mais ça nous les a équipés automatiquement, d'accord. Mais écoutez, c'est super. Si on n'est pas soi comme ça, ils n'ont plus qu'un casque d'une différente couleur. Quoique, je pense qu'on va laisser notre tête. On va se laisser respirer. Et je veux juste voir combien ça a de protection. Les jambières, 2. Les bottines, 1. Mais écoutez, c'est super. Le plastron, on a dit 3,5. Donc on est déjà comme si on était presque full staffer. Donc si on a un full staff, plastron de naine, enfin plastron de nain des montagnes bleues, je pense qu'on est. On est mieux que le diamant, bien mieux, on est mieux que le diamant, je pense. Ça peut même nous rajouter une barre de protection, je ne sais pas. Alors, donc, il nous reste plus de bronze. Mais je crois qu'on a, voilà, on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Ce qui ne veut rien dire, je pense. Donc voilà, on a notre marteau, on a vraiment beaucoup d'items. Je suis vraiment super content de ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai bien fait de farmer. Vous voyez, ça paye. Donc on était avec, comment il s'appelle? Growin. J'ai du mal à retenir son... Growin, le fils de Narag. Grâce à lui, on est quand même vraiment bien. On a un plastron de nains, des montagnes bleues. C'est pour ça qu'il est bleu. Nous avons une lance, naine des montagnes bleues. Nous avons une arbalète en fer qui est absolument swag. Ça va mon copain? Tu restes avec nous pour la fin de la vidéo? Non, tu pars, d'accord. Nous avons un marteau de guerre. Nain des montagnes bleues et une dague, donc une dague qu'on pourra enduire de poison. Je sais pas si ça aura un effet illimité ou alors si ça aura pendant un certain temps, ce qui me paraît très logique pour moi. Donc, en tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va se laisser avec le marteau nain. Regardez si on n'est pas swag. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. À poster un petit commentaire pour me donner des conseils, pour me dire ce que je pourrais améliorer, à laisser un like ou un pouce rouge comme vous voulez. Voilà, donc ça, les pouces verts ça m'aide parce que ça me fait plaisir. Les pouces rouges ça peut m'aider aussi en quelque sorte si vous mettez en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé et qu'est-ce que je peux améliorer. Donc voilà, c'est vous qui voyez. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4. L'épisode 4, et ça, je crois que je serai en pleine révision du brevet, mais ne vous inquiétez pas, il sortira quand même. Donc sur ce, les amis, à la semaine prochaine. Ciao ciao!